Bonjour, je suis Jules Vera, CEO et cofondateur de Stoic, une entreprise de cybersécurité pour les PME en Europe. Alors moi, contrairement à mes associés, il y a un an, j'y connaissais rien en cybersécurité. Mais il y a quelque chose qui m'a fasciné en discutant avec des dirigeants de petites boîtes, c'était de voir l'écart entre leur perception du risque très forte, leur peur de se faire attaquer, et en même temps, leur niveau d'action très très faible pour se protéger. En gros, la plupart croisent les doigts et espèrent ne pas se faire attaquer, même s'ils savent que ça peut détruire leur entreprise. Notre envie avec Stoic, c'est d'aider ces dirigeants à se débarrasser de cette peur de se faire attaquer. Et pour ça, notre idée est simple, très simple. On vend de l'assurance. On dit à ces dirigeants, si vous vous faites attaquer, c'est nous qui gérons la crise, c'est nous qui vous couvrons de tout. Mais on est une entreprise avec un ADN de cybersécurité, et en plus de l'assurance, on leur propose et on leur met à disposition des outils de protection et de monitoring de leurs risques. Et tout ce qu'on fait en plus de l'assurance, tous ces outils, c'est gratuit pour eux. Parce que tout le monde y est gagnant. Eux, ils ont plus pour le prix d'une simple assurance. Et nous, qui couvrons le risque, on a moins de sinistres à couvrir. Le marché de la cyberassurance, c'est un marché qui est complètement dingue en ce moment. Déjà parce qu'il y a des acteurs américains qui sont en train de cartonner sur ce même modèle. Donc tous les investisseurs sont en train de chercher qui va être l'acteur européen qui va être capable d'en faire autant. Mais aussi et surtout parce qu'il y a un vrai trou dans la raquette. 5% seulement des PME en Europe sont couvertes contre le risque cyber, alors que c'est le risque le plus dévastateur potentiellement pour leur entreprise. Avec Stoic, on veut être la première InsurTech Cyber en Europe. Vous l'avez compris, je crois, ce qui m'a donné envie de lancer Stoic, c'est pas la passion pour la cybersécurité. Ce qui m'anime, c'est l'envie de vivre une aventure, certes, une aventure trépidante, folle, ambitieuse, etc., mais surtout de la vivre avec des gens que j'aime bien et qui s'épanouissent dans cette aventure à nos côtés. Ce qui me rend le plus heureux, le plus fier, c'est quand les équipes me disent que le dimanche soir, ils trépignent d'impatience à l'idée de commencer leur semaine. Alors voilà, si vous aussi vous en avez marre d'avoir la boule au ventre le dimanche soir, rejoignez-nous, on a des choses à faire.